Voilà, on a du temps. Beaucoup de temps, c'est long. C'est long, mais c'est bien parce que ça reste précieux le temps et qu'il ne faut pas le perdre, hein, même en ce moment, en fait, surtout en ce moment. Donc, pour pas trop perdre son temps, je vous propose ça. D'abord, regardez ce film, Le Molière de Mnouchkine, film des années 80. Désolé, hein, je vous parle de théâtre évidemment, mais bon, en même temps, c'est tellement rare, les films de cinéma qui parlent bien du théâtre. Il y a le Vania de Louis Malle, il y a Esther Kahn de Desplechin, mais il y a le Molière de Mnouchkine qui transpire le théâtre dans ce qu'il y a de plus noble, de plus beau, de plus simple surtout. Voilà. La vie de Molière déjà, et puis Mnouchkine qui embarque toute la troupe du Théâtre du Soleil, Philippe Cobert en tête qui joue Molière et qui nous raconte la vie de cet homme de son enfance à sa mort. En nous racontant le XVIIe siècle avec une cruauté, une justesse, une poésie sublime. Voilà. Ne serait-ce que pour la fin de ce film, la dernière scène, la mort de Molière. Regardez ça. Ensuite, sinon, j'ai découvert ces jours-ci cette série allemande, qui s'appelle Unorthodox. Voilà, ça raconte la vie d'une jeune femme qui a grandi et qui s'est mariée dans une communauté juive ultra-orthodoxe à Brooklyn, à Williamsburg, et qui décide de s'enfuir pour retrouver sa liberté, ses racines, à Berlin aujourd'hui. Voilà. Ça mêle la grande et la petite histoire. C'est très bien fait. Et puis c'est surtout porté par une actrice magnifique qui est cette fille, Shira Haas, que je connaissais pas. Et qui est captivante du début à la fin de cette série. Voilà, et puis quand vous en aurez ras-le-bol des écrans, vous éteignez tout, parce que ça va bien, et vous écoutez ça. Ça s'appelle Mocking Dead Bird. Bah c'est un vinyle, mais je pense que vous pouvez le télécharger partout. C'est Daniel Scalier qui a écrit ça, qui est auteur-compositeur. Voilà, c'est noir, c'est planant, c'est mélancolique. En fait, ça fait du bien de te tordre le cœur de temps en temps. Ben voilà. Avec ça, c'est parfait. Mocking Dead Bird. Voilà. Et puis, si vous avez encore un peu de temps au milieu de tout ça, et que le théâtre vous manque aussi, vous pouvez nous rejoindre tous les jours sur le site de la Comédie Française, de 16h au bout de la nuit. Ça s'appelle La Comédie Continue. Et puis, voilà, comme nos salles sont fermées maintenant, je ne sais pas pour combien de temps. Et que c'est bien triste. On se retrouve là-bas et puis vous pouvez revoir des spectacles de la Comédie Française depuis que le cinéma existe jusqu'à aujourd'hui. Et puis entendre parler un peu de théâtre. Ça fait du bien. Voilà. J'espère que vous êtes en bonne santé. Prenez soin de vous et restez chez vous. À bientôt.